Bonjour à tous, je m'apprête à rentrer dans ma première semaine de concours blanc. Donc on a les vrais concours en avril et entre temps on a 3 concours blancs, donc là, la semaine prochaine. Là on est vendredi, demain notre première épreuve samedi matin, c'est notre épreuve de géographie. Et ensuite lundi on aura français, ensuite philo, tronc commun, histoire, spécialité philo et anglais. Donc je vous l'annonce comme d'habitude, hein, mes matières sacrifiées sont la géographie et l'anglais. Je suis évidemment pas prête pour le français, je ne connais pour le moment aucune citation. Après évidemment je connais un peu mon cours parce que j'écoute ce qu'on fait en cours, c'est super intéressant. La prof est vraiment super. Ensuite en philosophie, c'est la métaphysique. On a étudié 4 philosophes plus un qu'on doit faire de notre côté. J'en ai repris 3 sur 5. Et les deux autres, c'est des gros morceaux, genre Kant. Et même moi, en spécialité philosophie, le thème c'est l'expérience. Donc évidemment, on parle de Kant. Ça me terrifie. Quand j'étais en train de filer les auteurs, j'arrivais à Kant, je faisais une pause s'impose, je crois. Pourtant, c'est vraiment la base, quoi, si on a compris. Mais je sais pas, ça me fait peur. En plus, à chaque fois que je dis ça, on me dit, mais si, on l'a beaucoup vu l'année dernière et tout. Je ne me souviens vraiment pas d'avoir acquis tant de Kant l'année dernière. En histoire, c'est sur les mondialisations de 1880 à 1930. Encore une fois, super le cours, trop bien, je ne connais rien. Là par contre c'est problématique parce qu'on a que 2 heures d'histoire dans la semaine. Donc en fait, on a à peu près la moitié du cours que la prof nous fait réellement et la moitié du cours qu'elle nous envoie. Peut-être 60-40%. Et donc les 60%, je connais pas, mais je pense que ça va être rapide à apprendre parce que j'ai écouté une première fois. Les 40%, je connais pas, j'ai juste lu. Et j'ai envie de me rassurer et me dire, non mais Margot, t'étais dans la même situation il y a un an exactement. Et pourtant je m'en suis bien sortie à mes épreuves. Mais en même temps cette année c'est genre 3 fois plus en fait. Je pense à peu près le ratio c'est 3 fois plus d'informations dans le même laps de temps. C'est tellement plus dense et en plus les attentes sont 3 fois plus élevées, je suis sûre. Donc mon objectif ce serait la moyenne partout, mais ça ne sera certainement pas le cas. Je ne me leurre pas et je préfère me préparer avant la catastrophe. Donc bref voilà, la géographie je n'ai donc pas fait grand chose. Demain c'est pas vraiment une disserte, c'est une étude de cas qu'on va avoir. C'est une épreuve que de 3 heures heureusement. Et ensuite, bah, le reste du week-end, je vais travailler le français. Je ne connais rien. Bon, l'épreuve de géo MDR. La prof nous distribue le sujet et je vois la tête du fond de carte. C'est un fond de carte du monde entier. Je ne sais pas placer mes pays du monde. À partir de là, vous voulez que je fasse quoi? Pendant 5 minutes, j'étais en mode, ok, c'est perdu d'avance. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et le pire, c'est que ce planisphère était même pas présenté de manière plane. Enfin, vous voyez, c'est un peu courbé. Alors déjà que je n'ai aucun repère géographique, là, si vous me tordez tout ça, c'est impossible. En fait, je comprends pas que la prof exige de nous qu'on connaisse les fleuves, hein, tous les détails de l'Union Européenne. Par contre, elle précise pas de revoir tous les pays du monde. Pourquoi c'est plus censé qu'on connaisse les pays du monde que les pays d'Europe? Sachant qu'elle nous a fait une interro sur les pays d'Europe la semaine dernière, et il y en a plein qui ont mis en dessous de la moyenne. Et elle attend de nous qu'on connaisse les pays du monde, je ne comprends pas. Enfin, je dis pas que c'est de sa faute, hein, c'est de ma faute. Pourquoi je ne connais pas les pays du monde? Le pire, c'est que par exemple, l'Amérique latine, j'avais appris tous les pays l'année dernière en espagnol. J'ai tout oublié. Il manque une case dans mon cerveau. Je n'ai aucun sens d'orientation ou aucun sens géographique. Donc bon, j'ai fait au mieux. Et c'est sale et c'est globalement très lacunaire, mais c'est passé. En vrai, juste, je me dis, c'est cool qu'on ait commencé par l'épreuve de 3 heures. Parce que je vous avoue, j'avais un peu la flemme de me dire « Oh vas-y, on va encore se taper des épreuves de 6 heures. » C'est dur, hein, 6 heures, c'est un don de soi. Mais d'un autre côté, quand je compare avec une épreuve de 3 heures, je préfère une épreuve de 6 heures. Parce qu'au moins, je peux vraiment passer du temps à définir les choses, à réfléchir et tout, et c'est pas bâclé, alors que 3 heures, je déteste. Donc ça me motive à aller faire des épreuves de 6 heures. Sur ce, je vais aller déjeuner. Ce soir, pour nous réconforter avant cette semaine banalisée terrible, on fait une raclette. Du coup, pendant qu'on est en train de faire chauffer les patates, puisqu'on ne perd aucune seconde dans notre vie de cagneux, on est en train d'apprendre des citations que Cécile Marie a installées. Bonjour, Tipora. Attends, c'était quoi la première? Ah oui, attends, c'était... Nous le pauvre comédien, ombre de la vie humaine et... des personnages fantômes, et fantômes des personnages de toutes conditions. Comment elle souffle, tu seras là pour me dissertation pour me à défaut de l'être, nous avons au moins le paraître, je sais pas quoi, le reflet qui ressemble à la chose. Qui lui ressemble comme le reflet ressemble à la chose. Waouh, wow, je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais dans la merde. Mon exemplier, c'est même pas que je l'ai pas appris, c'est qu'il n'est pas encore constitué. C'est quand ton épreuve? Lundi. Colette, vas-y, c'est quoi Colette? Elles sont trop belles. Non, on va faire des trucs rentables. Oui, et rentables surtout. Il ne veut pas de moi cet homme-là, il ne veut pas comme ça. Genre. Sinon, il y a oh, jeter, me jeter au cou d'un être, homme ou chien, d'un être qui m'aime. Sinon, la plus belle, c'est mon cher amant, j'ai besoin que ton désordre réponde à celui de ce printemps qui a crevé la terre et se consume de sa propre hâte. Mais attends, mais quel est le rapport avec le théâtre? Il n'y a vraiment pas de rapport, je l'ai retenu comme ça parce que j'ai trouvé belle. D'accord. Qui frappera à la porte de ma loge? Quel visage s'interposera entre moi et la conseillère Fardet qui m'observe de l'autre côté du miroir? Waouh, attends, mais ça veut dire quoi? Juste à l'IMC,
c'est dans l'Inkipit. J'ai toujours pas repris mon livre depuis la, cet la été. La conseillère fardée qui m'observe de l'autre côté du miroir, c'est elle-même. Elle. Mais comment on peut l'utiliser du coup dans quel contexte? En fait, la représentation et tout ça, genre, comment elle le se maquillage, voit, ouais, le maquillage. Les apparences, double aussi au théâtre. Et tu peux le comparer avec la dispute quand il y a l'autre débile là qui se regarde dans le miroir en mode « Ah ouais, le virus aurait fait toute ma vie et toute ma place !» Et je suis tellement dans la merde, là je panique clairement là. Non mais t'inquiète, on va les apprendre. Confiance. Oui, faut faire confiance. Est-ce qu'il est bon mon fromage à 8 euros le paquet? Il est super bon ton fromage à 8 euros. Ouais. Kidnappé une femme. Alors raconte, t'as pris l'air un petit peu? Non, pas trop. Là franchement ce matin je me suis réveillée, toutes les 5 minutes je me disais, au pire j'arrête et je fais rien en français. Et au pire, je foire une matière et je me concentre sur les autres parce que là, c'est trop tard en fait pour essayer de rattraper ce retard. Mais bon, je peux pas faire ça non plus parce que c'est très long 6 heures. Et si je dois passer 6 heures à me dire juste que j'ai rien à dire, c'est terrible comme sensation. En plus, demain, on était censé faire notre épreuve de 8h15 à 14h15. Sauf qu'avec le meurtre du professeur à Arras, il y a 2 heures de concertation entre les profs en début de journée. Donc en fait notre épreuve est de 10h30 à 16h30. Bon, tu vas être bien fatiguée en fin de semaine et là tu te sens comment au niveau état de fatigue par rapport à septembre? Là ça va beaucoup mieux. Donc là t'as plus ton coup de barre à 16h quoi. Non. Bon, c'est bien. Bon, tu sais ce qu'il a fait ton chien? Non. Je crois qu'on va l'abandonner. Il a mangé un truc. Oh putain. Le pot de Nutella, mais il l'a ouvert tout seul. Il était fermé, hein. Il y en avait plein sur le tapis. On a trouvé un mug dans le micro-ondes, il l'a pas vu. Il a lancé, mais il l'a pas eu. C'est une tronche, ce gamin, c'est une tronche. Il est 20h54. Aujourd'hui, j'ai fait un tout petit peu d'histoire, beaucoup de français et un petit peu de spécialité philosophie. Et ça va, j'ai quelques exemples de français, faut que je révise mes citations. On fait que de nous dire, oui, le début de l'année, enfin, il faut s'y mettre tout de suite et pas accumuler du retard au début d'année. Sauf que au mois de septembre, en fait, j'étais tellement fatiguée, je sais pas pourquoi, je sais pas si j'avais une carence ou quoi, mais j'étais claquée, je ne pouvais pas travailler après les cours et tout, donc j'ai accumulé du retard. Et là, ça veut dire que même si j'arrive à sauver les meubles pour ces épreuves, c'est vraiment de l'apprentissage à court terme, quoi, parce que je me bourre le crâne la veille et le lendemain, je m'en souviendrai plus. Donc, il va falloir que je réapprenne tout pendant les vacances, plus lire les œuvres, parce qu'évidemment il faut qu'on lise, et moi comme je suis pas une lectrice à la base, lire ça me demande beaucoup de temps. Dans le groupe de la classe, il y a une cube qui nous envoyait un message trop mignon, qui dit « À la veille de ce week-end de révision, je voudrais vous rappeler un truc important qu'on a des fois tendance à oublier, surtout en carré. » Pour rappel, moi je suis carré, ça veut dire que c'est ma première année de CAIGNE, mais on peut faire une deuxième année de CAIGNE, et dans ce cas-là, on est cube. Et si vous êtes débordé et que vous avez rien révisé parce que vous faisiez vos cols, c'est pas que vous ne savez pas vous organiser et que vous êtes pas assez fort, quoi qu'en dise une partie des profs. C'est normal, c'est le cas de tout le monde parce qu'il est impossible d'être prêt après aussi peu de cours. Il est impossible d'avoir suffisamment révisé avant une semaine banalisée. Donc ça m'a un petit peu rassurée parce que je me dis ok, mon retard n'est pas si problématique. Faut se dire qu'il y a certainement des gens qui sont très préparés comme Cécile Marie. Mais il y a aussi des personnes qui sont peut-être encore moins préparées que moi, qui sait. En fait ce qui me stresse c'est que là je me dis, si je passe encore toute la soirée à faire du français, je peux sauver les meubles pour demain. Ça veut dire que quand est-ce que je vais faire de la philo, quand est-ce que je vais faire de l'histoire? Parce que l'histoire... ça me paraît complexe de sauver les meubles juste après 2 jours avec 6 heures d'examen. En fait, ce qui me fait peur, c'est pas de rater, c'est que j'ai peur des commentaires des profs sur ma copie. Au début, j'y pensais pas trop, je m'étais dit peut-être que je serais déçue de moi parce que je vais dégringoler de 4-5 points. Mais c'est surtout en fait que j'avais pas pensé que nous, l'année dernière, vraiment, on était maternés par nos profs. Vraiment, nos profs en hypocagne, ils étaient trop mignons. Et je sais que cette année, ce ne sera certainement pas aussi gentil. Et j'ai peur en fait que ça me décourage. Parce que déjà, que j'ai pas non plus énormément de motivation parce que je me dis, oui, de toute façon, le NS ça m'intéresse pas. Après, ça se trouve, ce sera sympa hein, le commentaire, mais il y a déjà une partie de la classe qui a dû rendre un DM par exemple en français. Les commentaires, c'était pas aussi gentil que l'année dernière, quoi. C'est très sec. Ça passe pas par 4 chemins pour te dire que t'as foiré, quoi. Après, c'est pas grave, ce sera une nouvelle année où faut apprendre à prendre du recul sur les choses. Enfin bref, sur ce, je retourne en salle du travail finir de ficher Claude Bernard en spécialo et ensuite révision français. À demain. Je viens de rentrer du français. Je dirais pas que ça s'est mal passé, mais avec la quantité limitée de connaissances que j'avais, j'ai réussi à apprendre un truc. J'ai écrit 10 pages, alors qu'il y a moins de 48 heures, je connaissais vraiment 2 exemples. Après, la réflexion, elle est très limitée, parce qu'évidemment, comme j'ai peu d'exemples, même si j'ai des idées pour argumenter sur le propos de Anne Huberfeld, d'une critique littéraire, même si j'ai des idées pour commenter son propos, si j'ai pas d'exemple pour le prouver, ça sert à rien, donc je peux laisser tomber mon idée. Donc demain, c'est la philo, après demain, l'histoire.
J'ai trop honte de dire ça, vraiment, je sais pas pour qui je me prends à négliger la philo comme ça. Je vais vraiment, je crois, faire, allez, une heure de philo ce soir et je vais faire de l'histoire. Parce que le truc, c'est que la philo, je me dis, si j'ai un minimum de base, je peux gloser sur la pensée des auteurs. Alors qu'en histoire, si tu connais pas les faits, tu vas faire quoi? Je vais écrire 2 pages. Il y a Paolo qui m'a envoyé un Quizlet qu'il a fait. J'ai faux partout. Je ne connais rien. Après, je sais que je suis pas la seule hein, dans cette situation, donc ça me rassure un peu. Mais ça me saoule parce que j'ai un peu l'impression de mettre des entraînements à la poubelle. Bon, on est mardi soir, j'ai donc passé la philo ce matin. Je n'ai même pas pris le temps de faire un update tellement je suis en détresse pour l'histoire. Donc je vous ferai un update demain. Alléluia, on a dépassé la moitié des concours. Hier, j'ai pas eu le temps de faire un update pour la philo, donc commençons par la philo. Alors la philo, nous cette année, le thème c'est la métaphysique. Et le sujet qui est tombé, c'était le métaphysique. On a explosé de rire quand on a vu ça. J'avais dit que oui, lundi après-midi, tant pis, j'allais faire de l'histoire, la philo, on allait y aller au talent. J'ai vraiment cru 5 minutes à ce que j'allais dire, genre moi, je me suis dit, je vais rien faire pour une matière, c'est impossible. Je me suis dit, ok, on va se concentrer sur l'histoire, je vais quand même relire la philo vite fait. Et là, je fais, oh mon dieu, en fait, je connais rien. Donc en fait, j'ai bien fait de la philo lundi après-midi. Ça veut dire que j'étais vraiment dans le caca hier pour l'histoire, mais bon, c'est encore une autre histoire. C'est ma prof de spé philo qui nous a distribué les sujets, qui n'est pas la même prof que la philo trop commun. Et elle était trop chou quand elle nous a distribué les sujets. Et elle nous a dit, vous inquiétez pas, on en sait toujours plus que ce qu'on croit, ça va bien se passer et tout, elle était trop chou. Et après, il y a notre vraie prof qui est arrivée. J'ai essayé de faire au mieux, j'étais fatiguée, mais les 2 premières heures, je me suis dit, mais je vais m'endormir devant ma copie. J'étais à moitié allongée et j'écrivais comme ça, mais j'étais crevée. Je me suis pas relue, mais les fautes que j'ai dû faire, vraiment, j'écrivais, genre, les hommes, ENT à la fin. Mon cerveau n'était plus fonctionnel. J'ai utilisé énormément de mon cours de spé philo pour répondre aux trucs, ce qui n'est pas non plus rassurant, parce que je me dis, la prof, quand elle a fait le sujet, elle a dû se dire, ok, il devrait réussir à se débrouiller avec ce qu'on a fait en cours de tronc commun, sauf que moi, j'ai pas su me débrouiller comme ça, donc j'ai dû aller piocher dans mon cours de spé. Donc je sais pas, ça m'inquiète un peu. Je vise 8. Maintenant pour l'histoire. Donc je suis rentrée à, je sais pas, 15h. J'ai déjeuné, j'avais la tête qui tournait et tout. Je me suis dit ok, c'est pas grave. Je fais une grosse sieste comme ça, après je repars d'aplomb. J'ai perdu mon temps dans mon lit, je n'ai pas dormi. Donc il était peut-être 17h, je me lève et j'étais en mode ok, j'ai pas dormi, c'est pas grave. La fatigue c'est qu'une information, c'est dans la tête. Je suis pas du tout fatiguée, là j'ai pas du tout la tête qui tourne. Je marche vers l'ascenseur, j'attends l'ascenseur, j'étais en train de bâiller aux corneilles. Donc à partir de 17h, j'ai appris mon cours d'histoire. J'ai essayé de faire une espèce de lecture active avec plein d'informations là pour pouvoir un peu suivre, parce que sinon je lisais sans écouter ce que j'étais en train de lire. Bah grosse panique hier soir. Ça me saoule moins pour moi que pour la prof en vrai, parce que je me dis, la pauvre va passer genre une demi-heure à corriger ma copie alors qu'il n'y a rien dedans. Vraiment là, je pense avoir 5 quoi, vu ce que je connais. Comment je vais faire? Mais je ne connais pas. Ça avait des approximations, des bribes de cours. Fun fact, en 1910, il y a un mec qui s'appelle Norman Engel qui a sorti The Great Illusion, et dedans, il explique qu'un conflit général à l'échelle de la planète est impossible parce que avec la mondialisation, les économies sont trop imbriquées et tout. Et le truc, c'était un best-seller, hein, vraiment, genre, j'adore. En plus, ça me saoule de pas apprendre parce que c'est super intéressant. Je vais avoir une note de merde, je vais me braquer et je vais plus aimer. Allez, si j'ai 5, c'est pas grave. Ce sera juste un fun fact pour dire waouh, j'ai déjà eu 5 un jour dans ma vie. En prépa, ma pire note c'est 9. C'est pas très fun comme pire note. 5 c'est plus fun. Si je passe pas une bonne nuit qui me repose, demain matin j'arrive devant ma copie, je pleure, je pense. Je me suis forcée à faire une bonne nuit de sommeil, j'ai dû dormir 8h30 et là je me sens tellement bien. En fait 8h30 c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et donc ce matin, bah ça s'est passé, j'ai eu des trucs à dire en fait, mais je suis choquée à chaque fois, ma mémoire à court terme m'épate, je suis en mode waouh, mais j'ai retenu tout ça en une nuit. Et donc au final en fait, on avait que 5h et en fait j'ai pas eu le temps de dire tout ce que je savais, alors que vraiment hier j'étais en mode vas-y, je vais rien avoir à dire et tout. Mais le problème c'est que c'est pas pour ça que j'ai fait un bon truc, parce qu'en fait le problème de la mémoire à court terme, c'est quand t'es devant ta copie, t'as une idée, à tout moment cette idée disparaît à jamais puisque c'est trop bancal, c'est pas genre bien ancré dans ton cerveau. Donc j'ai paniqué au début, j'ai noté tout ce que je connaissais et tout, j'ai commencé à écrire trop tard. En plus la prof elle nous avait fait un petit planning, à partir de cette heure là vous passez à la première partie, à partir de cette heure là vous passez à la conclusion, ce genre de truc. Et donc au début je me suis dit ok, je vais essayer de faire des sous-parties d'une page, sauf que je n'avais pas le temps. Donc j'ai fait la première sous-partie, fait une page, et après genre ça fait une demi-page, 3/4 de page, c'est pas du tout équilibré, les idées se suivent sans aucune transition, je ne me suis pas relue, j'ai juste relu la conclusion, et déjà dans la conclusion j'ai dû corriger genre 3 trucs. En plus comme après j'étais dans le rush, j'avais même pas le temps de penser à ce que j'allais écrire, j'écrivais
au fil de ma pensée, donc je faisais des phrases bien trop longues et au final mon verbe perdait son sujet et j'étais en mode, en me relisant, attends, c'est censé être du pluriel ou du singulier? C'était horrible. Mais je suis choquée que ma difficulté ait été le temps alors que je pensais que j'allais juste rien avoir à dire. Ça y est, j'ai enfin passé ma spé, il me reste plus que 6 heures d'épreuve. Et c'est même pas une disserte. Donc la spé philo, on avait deux sujets au choix. J'ai choisi faire ses expériences. C'était des sujets auxquels on pouvait s'attendre. C'est exactement ce qu'on a vu en cours. J'ai fait au mieux. En fait, en dissert, c'est toujours les montagnes russes. C'est-à-dire que j'ai vu le truc, je me suis dit, ok, je vois ce que je veux dire. Ensuite, je commence à réfléchir et je me dis, mais dans quel bourbier, je me suis dit, c'est vraiment nul. Ensuite, quand j'ai rédigé, je me suis dit, ça va. Et mon plan, il est un peu nul. Mais en vrai, ça suit une certaine logique, un certain ordre. Après, quand je suis arrivée au paragraphe où j'ai dû parler de Kant, comme en tronc commun, vraiment, c'est du baratin. Vraiment, la preuve à écrire, ce n'est pas du tout ça. J'ai écrit 9 pages et le tout début d'une dixième, ce qui n'est pas beaucoup. Mais bon, on a fait au mieux. Donc demain, c'est l'anglais. Je n'ai pas commencé à réviser, je n'ai rien fait. Il est 18h25. J'ai récupéré 4 livres chez mon ami Tsepora, juste pour me donner bonne conscience. Le commentaire littéraire anglais, A Handbook of Literary Terms, Initiation à la version anglaise, Anthologie des littératures anglophones. Qu'est-ce que je vais faire avec ça la veille ? À 18h25, je vais les feuilleter et faire c'est intéressant. Je ne sais pas faire de commentaires, mais bon, je peux pas arrêter le temps pour m'entraîner de toute façon. Alors on va y aller. Au non-talent, tu me mets un texte devant, je suis en mode. Juste en fait, ce qui me saoule, c'est que demain c'est 6h, donc ça veut dire que c'est quand même encore 6h de supplice. Après ces 6h, on est en vacances, c'est le principal. Oh, mais c'est quoi ça? C'est la vidéo? Mais le vlog de Margot Moments, quoi, la chaîne est trop cool. Abonnez-vous, les gens, c'est trop bien ou quoi? C'est dingue parce que vraiment, si jamais tu mets ça, on va voir ma décadence au fur et à mesure du temps, tu sais. Entre les vidéos où je suis tout jeune et tout pimpant de l'hypocagne, blablabla. Et là, le métadélique. C'était bien aujourd'hui l'épreuve? C'était quoi le sujet? Il y en avait deux au choix, je sais plus le deuxième, mais moi j'ai choisi faire ses expériences. Ah, j'adore. Enfin, j'aime trop les sujets de philo, vraiment pour ça, quoi. Parce que les sujets de philo, c'est littéralement... Ouais, c'est réfléchir, quoi. Mais je me dis, la métaphysique, tu vois, c'est moins ancré dans le réel. L'expérience, c'est vraiment genre... Métaphysique. Et tu sais, avec Ariel, mardi soir, en rentrant de philo, on se disait, mais sur quoi ça peut tomber en histoire et tout? Moi, je dis, je pense à être sur un truc large. Je dis, imagine, c'est juste genre la mondialisation. Et là, on se regarde et on fait, non, le mondialisation. Ça aurait été tellement drôle. Elia, tu peux me refaire le speech sur ce que tu penses du commentaire en anglais, s'il te plaît? Je trouve que c'est le pire exercice, c'est l'exercice de la honte, intellectuellement parlant. C'est l'exercice de, on a abandonné l'idée de faire des trucs intelligents. C'est découper un texte, des parties qu'on divise nous-mêmes en trois trucs thématiques pour dire, oui, alors ça, ça a du sens parce que vous voyez, là, il y a une allitération et fait d'insistance. On s'en fout, c'est nul. Si je peux me permettre, tu dis, oui, il faut découper un texte en trois, faut découper ton analyse en trois, pas vraiment le texte. Ouais, mais il faut le diviser en parties, tu sais, dire oui. Dans un premier mouvement du texte. Non, pas du tout. Ah ouais? C'est pas censé suivre l'ordre du texte, c'est purement thématique. Ah ouais? Arrête vraiment? Mais oui! Attends, en espagnol, on fait ça, nous? Ah ouais? Bah attends, t'es sûr? Je suis sûr, aucun doute! Genre, tu divises un texte en trois parties et les parties, tu leur donnes un titre. Pas du tout. C'est genre en mode grande partie, Mrs. Dalloway, une femme, non, j'en sais rien, tu vois, c'est purement thématique. Ah j'avoue! Oh waouh! C'est vrai! Donc fais pas ça demain! Bah écoute, bah merci, hein. J'espère avoir 7. Moi, je sais même pas ce que j'espère, là. Je n'espère plus. Tu sais que hier, je me suis fait réflexion quand même. La dissertation, alors que j'adore cet exercice, je sais plus si je l'aime autant que ça. Parce qu'en fait, c'est devenu tellement artistique. Moi, j'aime ce qu'on fait en cours. Ça m'intéresse, j'adore. Je vis la connaissance, je te jure. J'aime tellement ce truc, apprendre, discuter, réfléchir. Mais le fait qu'on doive l'apprendre pour une dissertation, pour la caser, pour des citations, ça me retire tout le plaisir que j'ai dans l'apprentissage. C'est une approche qui est désincarnée de la connaissance. C'est pas ma pensée. J'aimerais bien, mais puisqu'il faut l'appui des auteurs... Enfin, je dis pas que l'exercice de la dissertation en soi est négatif, tu vois, mais je le trouve que bah, y a un peu un revers de la médaille où il faut remplir des cases et tout parce que c'est le concours. S'il n'y avait pas ce concours, ça pourrait être tellement bien, mais... Bah, j'en parlais avec la prof de français, là, pendant ma colle. Elle était en mode, ça se passe comment, le début de la CAI? Et du coup, j'étais en mode, bof, bah, genre... Puis il y a des trucs intéressants, mais déjà, genre, c'est beaucoup moins fun. C'est juste les profs qui nous donnent leurs cours et on doit ingurgiter des connaissances, tu vois. Ah, et elle était en mode, ah bon, mais je comprends pas, pourtant... La Kine, c'est quand même un niveau de plaisir intellectuel supérieur, mais je trouve pas, genre, c'est juste... L'année dernière, tu vois, c'était vraiment
vraiment dans l'échange. Et là, je trouve juste, c'est un, bah, tu prends en note mon cours parce qu'il va falloir recracher dans 6 mois au concours, tu vois. Bah ouais, il y a un peu de ça. Je trouve qu'en même temps, dans une certaine partie, je trouve que le truc cool de l'accueil, c'est que puisqu'on est spécialisé sur un sujet, bah, on a vraiment l'impression de maîtriser un peu un truc. Ça, c'est cool. Oui. Mais je suis d'accord, c'est ce truc de le cours est un peu bah, hyper magistral, quoi. Encore une fois, j'ai toujours l'impression que je vais mourir, mais j'en sors vivante finalement. L'anglais, MDR, je pense que c'est vraiment la pire épreuve que je n'ai jamais faite de toute ma vie. Non, ok, la pire épreuve de toute ma vie, je pense, c'était les premiers concours blancs de français l'année dernière. Mais là, c'était pas une bizarre, c'était un commentaire. C'était un extrait de Sister Carrie de Theodore Dreiser. Quand je l'ai lu, je me suis dit, oh ça va être un peu fun, c'est américain, pas trop compliqué, MDR. La version déjà. En fait, ça m'a frustrée parce que c'est pas compliqué, mais j'ai pas réussi à traduire, je comprends pas. Ce qui est difficile dans la version, donc quand on traduit de l'anglais au français, c'est que la langue anglaise est 3 fois plus riche que la langue française. Et donc là, il y avait dans le texte 4 mots différents que j'aurais traduit par le même mot. Sauf que s'il y a 2 mots différents en anglais, il faut trouver 2 mots différents en français. Je n'ai pas réussi. Que la version, en fait, c'est super dur comme exercice parce que c'est par point faute. Par exemple, vous faites une mini-faute genre de conjugaison en français, hein, vous perdez 8 points faute. Vous oubliez une virgule, genre moins 4 points. Vous écrivez mal un accent, moins 4 points. Après, c'est sur un énorme total de points. Et donc, en fait, comme c'est par point négatif, tu peux vite te retrouver à 0. Donc, comme j'ai énormément galéré à la version, généralement, on commence par la version. Le temps que je la fasse, puis que je la recopie, il me restait 3 heures pour le commentaire. Donc normalement, c'est ok. Normalement, on dit 3 heures version, 3 heures commentaire. Sauf qu'en vrai, faire un commentaire en 3 heures, c'est grave galère. La fille qui était juste à côté de moi, elle avait déjà recopié toute sa version au bout genre d'une heure et demie. Et moi, j'étais à la moitié de l'affaire. Donc au bout de 3 heures, je passe au commentaire et je me dis, punaise, qu'est-ce que je vais raconter au total? J'ai que ça comme brouillon. J'avais pas de problématique quand j'ai commencé mon introduction, j'ai écrit au feeling. Heureusement que je sais parler anglais et que je peux écrire comme ça un peu au flot de ma pensée sans trop réfléchir à la structure de la langue elle-même. Vraiment, je paniquais, j'étais en mode mais je peux pas rendre copie blanche, il faut que je trouve quelque chose à dire, mais je savais même pas sur quoi baratiner. Donc au final, j'ai quand même quelques éléments pas trop teubés. Mais il n'y a aucune analyse réelle du texte, genre c'est du blablatage. Le pauvre, et je me dis, il va devoir lire ça le prof. Sur une copie à mon nom, la honte du siècle. Mais sous-parties, sachant qu'il n'y en a que 2 par grande partie, elles font genre ça. Il y en a une qui fait ça, genre la première, et après genre ça. Et c'est écrit super gros. Vraiment, toutes les épreuves, j'étais pas super satisfaite de moi, mais là, ça atteint un level de ridicule. Maintenant que j'ai fait ce débrief, je mets ça de côté, je jette mon brouillon, je vais quand même garder mon texte quand il faudra corriger. Et on passe à autre chose, c'est-à-dire les vacances, ça va être... trop bien. Ce soir, on va boire un verre avec des copains. Et après, il y a une soirée aussi de promo. Je sais pas si je vais y aller. Je vais probablement y aller, ça va être fun. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour les résultats.